Salut tout le monde, c'est Nem et aujourd'hui on va faire Mumu sur State of Decay. Alors State of Decay c'est pas trop récent, je crois que c'est au moins une bonne année déjà. C'est seulement maintenant que je m'y mets. Mais c'est pas grave, hein, je découvre. Alors avant de choper le jeu, je savais pas du tout de quoi ça parlait. C'est en lisant un canard PC vieux d'au moins 6 mois que je me suis dit ah, en fait c'est pas un vieux jeu multi de survie comme il en sort 15 par semaine. C'est un vrai jeu solo avec une histoire et compagnie. Donc je me suis dit bah écoutez hein, pourquoi pas. Hop. Bon, on commence déjà hein, comme d'hab, hein, moi j'ai toujours voir dans les options graphiques. Alors au moins il y a un 16 9 et un mode 16 dixième, ça me fait plaisir. Et il y a de la synchro verticale. Et on peut mettre en ultra entre guillemets hein. Alors on va voir ce que ça va donner. Pas de mode fenêtré plein écran, pas de mode fenêtré du tout en fait, ce qui est un petit peu gênant. Moi ça me gêne, j'aime bien pouvoir switch correctement. Au niveau des commandes j'ai pu tout configurer correctement, même ouais, quand je fais haut bas hop, ça dans les menus ça il faut le configurer parce que sinon voilà. Bon, j'aime bien. Pour commencer, c'est déjà pas mal. Allez, on va commencer une nouvelle partie. J'ai pas encore. Je l'ai lancé une seule fois, mais c'était juste pour voir si le jeu fonctionnait. Ah oui, alors le jeu est en anglais sous-titré français. Alors, la première chose, ça commence déjà, ça pique les yeux. Ça commence à peine, ça pique les yeux. J'ai les yeux qui brûlent un peu, alors je sais pas si c'est aussi soleil, mais c'est... Voilà, ça commence. Regarde, déjà les visages. Ouh là 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 là. Allez, allons-y, je sais pas. Ouh là. Ah, on a un superbe effet d'ombre. Magnifique, magnifique, magnifique. J'aimerais quand même aller voir l'eau. Déjà. Parce que là, de loin, elle a l'air belle. Et de près... Ouais. Space, hein. Space de près. Bon, allons-y. D'accord, donc c'est... Ok, ça c'est pour sprinter. Je sais pas s'ils ont pas mis d'anti-crénelage ou quoi, mais c'est bizarre, là, graphiquement. Bon, on commence déjà avec un bâton, ce qui est pas mal. Hein. Et on est noir. Putain mec, je suis noir. Et toi, t'es tellement blanc que tu brilles. Tu brilles, mec. C'est pire que dans Battlefield. Espèce de maladie des yeux, là, je sais plus comment ça s'appelle. On voit tout, tout éblouissant. Est-ce qu'on peut passer sans se faire repérer? Non, non, non. Moi, je veux taper, moi. Je sais même pas. Est-ce qu'on gagne des points d'XP? Est-ce qu'il y a un intérêt à aller taper? Est-ce qu'il y a du loot? Je sais même pas. Visiblement, non. Oh, ça va être difficile de continuer dans ces conditions, hein. Pas ce que ça fait aux yeux là, mais c'est space quand même. Ah, puis alors les textures. Alors je crois que le jeu est porté de Xbox 360, ce qui du coup expliquerait un petit peu le fait que le jeu soit immondément laid. Bonjour, bonjour. Ah oui, puis forcément dans le noir. Alors la police d'écriture est très mal choisie, elle est illisible. Vraiment un choix de merde ça. Autant celle de Dead Island était un petit peu dans le même genre mais déjà largement plus lisible. Autant là c'est galère.
Ok, je peux pas me déplacer là? Si. Qu'est-ce que je dois faire exactement? J'ai pas écouté. Donc le placard. Allez, même les boutons, ils sont même pas fait chier à les changer. Tout est pixelisé en fait, regardez, regardez, tous les icônes sont pixelisées. Même l'icône du jeu est pixelisée, tout est. Je sais pas, c'est space quoi. Hey, how are you? Ça aurait pu faire un effort les mecs, sérieusement. Alors. Il faut aller au château d'eau. Looks like a good vantage point up there. Pas qu'ils avaient fait des échelles aussi larges sur les châteaux d'eau. Enfin, je suis jamais allé aux États-Unis pour aller vérifier d'ailleurs. Putain, ça pique les yeux, c'est incroyable quoi. J'aime bien ça, ce petit côté, faut faire du repérage. Bon, évidemment, il suffit, c'est pas très. Il suffit juste de passer son curseur dessus. Hein. Ouais, bah en plus, voilà. Puis il nous le dit quand il n'y a plus rien. Bon. Mais dégage, toi, qu'est-ce qui. Oh, désolé, mec. Alors, il faut faire attention parce que d'après ce que j'ai lu, la mort peut arriver très vite. Le jeu est assez punitif. Ah oui, puis ça nous dit pas du coup, si sur la minimap. D'accord, je me demande si je crois que je suis blessé là en fait. Ok, one shot baby. On a donc des zombies aux yeux jaunes, alors ça en général, parce qu'il y a toute une architecture du zombie évidemment, donc celui-là doit être, je pense, du zombie possédé. Hein. Bah, il peut y avoir un virus, hein. Mais en général c'est le signe de possession démoniaque. Ah, je crois que les armes aussi s'abîment puisque c'est écrit en jaune là, donc je... C'est chiant ça qu'on se déplace à deux à l'heure. Alors. Pour chercher plus vite. D'accord. Donc je fais quoi? J'appuie sur prendre. Voilà. Ok. D'accord. Donc quand on fait du boucan en fait. Ça attire plus vite les zombies. I'm lucky they didn't hear that. Qu'est-ce que oh. Ok, il doit me prendre pour un trisomique maintenant. Je comprends pourquoi ils ont fait briller les trucs, sinon c'est impossible de se repérer. Bon, une voiture. Ça se roule ces machins-là. Fermé. Bon, pas moins. Dans le doute, ah, on sait jamais. Hein. J'aime bien ce principe de fouiller plus vite et en faisant du bruit.
Les mecs ils sont déjà cadavériques là, ça fait 2 semaines. Comment c'est possible ça? Salut du con. Ah si, skill, j'ai du skill. Alors comment je connais mon skill? Blessure. Gestion de mes gens. C'est extraordinaire, j'ai les points de vie. J'ai l'énergie, joue. Ah c'est moi ça. Alors. Mon bâton est endommagé, mais je crois que j'ai un fusil. Leader né. Adorer la randonnée. Ouais. Ok, d'accord. Et donc j'ai un fusil. Mais c'est génial ça. Et ça c'est manger pour augmenter ton rendement. Ah des pétards. Avec du bison. Une lame typique de jardinerie. Machette sophistiquée. Ouais. On testera ça. Ah oui d'accord. L'interface se met pas en pause. Hein. Enfin le jeu se met pas en pause quand on. Pourquoi pas. Hein. J'aime bien l'idée. Alors, je peux pas aller dans les poubelles. Non, c'est pas comme dans Fallout. Hein, d'ailleurs je suis étonné qu'ils aient fait un TPS. Et pas un FPS, parce que la mode est au FPS, survival. Mais après tout, comme là, j'ai cru comprendre qu'on allait incarner différents types de personnes, qui n'ont pas forcément de lien. Hein, quand on suit l'histoire de quelqu'un. Oula. Ok, donc comment j'ouvre? Ok, appuyez plusieurs fois sur... je pense que c'est... Ok... Ah, voilà. D'accord. Je me demande si on pourra créer ses propres trucs. Oh. Des films de boules, des bouquins là, non? Ah bon, c'est galère, hein, c'est galère. Bon, j'imagine que quand c'est blanc, ça brille. Si c'est pas blanc, ça brille pas. Non. Attendez. Votre branche est cassée. Ok, comment je prends autre chose? Ok, d'accord. Ok, je peux me servir de mes pieds. Ok. Voilà. Non. Attendez. Je voudrais l'équiper dans ma main, s'il vous plaît. Comment j'équipe un objet? Ah bah j'ai peut-être pas de munitions. 2, si c'est écrit dessus. Ok, comment je... Ah bah si, voilà. J'ai droit à 2 balles. Permettre de voir un petit peu... Ouh. Yeah. J'ai plus de munitions. Ah bah oui, bah oui. Viens, prends ça dans ta gueule, toi. Ça, c'est de la machette de vie. Bon. C'est efficace. Je crois qu'il faut que je surveille sa vie, hein, au mec. Hein.
Niveau de puissance 2. Ben, j'étais pas déjà niveau puissance 2. Bon, alors ça c'est qui ça? Ouais, je peux pas passer de l'un à l'autre, il n'y avait pas un délire comme ça? Je vois pas. Je vois pas ces points de vie effectifs là. Bon, c'est curieux. Déjà, comparé à d'autres jeux, tuer les zombies, ça n'apporte pas d'équipement. Cabane, ressources 3. Est-ce que... Ah bon. Ok, je pense que c'est tout ce qu'il y a à définir. Ok, donc j'imagine, si c'était écrit 1, enfin 3, ça veut dire j'en ai eu 2, donc... Barricade, ah je peux barricader les fenêtres. Bon attendez, il y a forcément autre chose là. Non ? Il ne reste rien. Ah je comprends pas. Il n'y a pas trop à gérer notre énergie. Hein. Leader. Ouais. Et lui. C'est une sonnette, peut-être. Non. Oula, il y a... y a des baisses de framerate. Il y a des vieux lags, c'est bizarre, je sais pas, c'est... Ou alors c'est la caméra qui pète son câble. Ah mais déjà que le jeu est moche. Si si, ah si si si, oui, il y a des baisses de framerate, puis alors pas qu'un peu. Une baisse à 30 images secondes. Genre le jeu est moche comme un pou, il a l'air optimisé comme... comme c'est pas possible. Je me dis, j'ai pas l'impression de tomber deux fois sur le même zombie. Ce qui... pas trop mal. Donc ça fait 2 et là je vois 3 ressources, donc on est d'accord que si je calcule 3 moins 2 ça fait, ça bouge pas. C'est curieux tout de même. Ah ok d'accord, ça se met à jour que après, il faut compter dans sa tête. Ok, j'avoue tu es très bon en calcul mental. Alors, attendez, 3 moins 2. Bon. Ok, ok, j'ai compris en principe. Ah, parce que la caméra... je sais pas si c'est parce que je regarde le décor là. Oula. Ça... Ouh. On a le droit à des beaux petits bugs là. C'est comme la sensibilité à cause du lag graphique. Puis il y a des accélérations. Et la Titan, elle pleure là. La Titan, elle... Le jeu est trop moche. Il est trop moche à afficher, il peut pas. Oh bordel de mon dieu. Sérieusement quoi. Je vais pas devoir baisser les graphismes quoi. Ça, je suis tellement moche. Oh la putain. Voilà, ça dit tu vois plutôt le public. Bonjour. J'ai une lampe torche. J'ai une lampe torche. Alors, ah. Ses yeux restent allumés. D'accord. Non, j'ai pas le droit d'aller faire pipi par contre. Hein. Non. Ah, pas le droit, non. Alors, peut-être par ici. Non. Peut-être pas. Non, mais bon, ça, c'est corrigé dans l'alpha testing, quoi, des bordels comme ça, à travers les murs. Bordel, quoi. C'est peut-être l'alpha, hein. Le jeu était disponible en Early Access, donc ça c'est la version définitive évidemment. Bon. Bon bon. Oh, c'est pas possible des trucs pareils. Alors, je sens quand même le potentiel du jeu. Hein. On a pu regarder sur la mine, je suis à l'extérieur.
Oh, c'est n'importe quoi. Non, mais j'ai juste quand même le potentiel du jeu si ce qui est si ce que j'ai lu est vrai, mais dans les faits c'est voilà quoi. Je suppose que je peux entrer ici, mais pour une raison que j'ignore. Écoute, on laisse tomber, hein, je vais pas aller me faire chier. Je vais pas aller me faire chier dans les chiottes. Ok. Peut-être. Ah, il y a une porte là. Ah, d'accord. D'accord. Donc en fait. C'était peut-être ici en fait. C'est des chiottes à rallonge en fait. Il doit y avoir homme-femme. Bah tiens, on est chez les hommes, voilà, avec des pissotières. Et des lavabos en acier inox. Bon, bah, attendez, il y a bien un moyen de. Bon. Eh ben non. Toi, c'est quand même la loose de crever dans les chiottes, quoi. T'es mort comment? Bah, j'étais en train de chier, puis voilà, quoi. Est-ce que je peux choisir des trucs ou c'est Ah, c'est marrant, c'est tu sautes devant un zombie, ça le tape tout seul là. Puis en plus ça a l'air de one shot, hein. Tandis que d'habitude il faut mettre plusieurs coups. Pourquoi il y a des orangés là? C'est bizarre tout de même. Oh. Machette sophistiquée. Ouais, donc j'ai cassé ma machette. Ok. Alors les objectifs. J'imagine qu'il y a des objectifs. Ah oui, d'accord. Donc je ne peux pas sauter en fait. C'est là, c'est une danse quoi. Alors réfléchissons. Est-ce que ça me débloque quoi que ce soit? Enfin, taux de confiance, ouais, je veux bien, mais. Alors, ration quotidienne de nourriture. La nourriture et l'eau sont prioritaires. Alors, quotidiennement, j'en consomme 5 et des médicaments. Alors, pourquoi 1? Tous les jours, je vais prendre un médoc, en fait, non? Il y a bien des objectifs de mission. Il y a quelque chose à faire là. Moi, je suis allé me balader parce que je me suis dit voilà, mais. Ah, d'ailleurs, c'est pas écrit la même chose. Je viens de lire un journal, alors je sais même plus comment j'y suis allé. Si c'est petit bonheur la chance en fait. Si voilà. 3 semaines loin de ce monde fou. Alors qu'ils disent que c'est écrit ces 2 semaines. Alors, en fait, c'est ça change, quoi. 0703. Ou 0307. Je sais plus. Quel jour on est aujourd'hui? Je sais plus. Viens voir. Janvier, février, mars. Ah bah c'est ce mois-ci. Ah mais oui, c'est 2 ou 3 semaines avant aujourd'hui. Ah, c'est rigolo ça. Genre le mec il écrit un journal quoi. Personne écrit de journal.
T'as un mec, mais t'as pas un putain de smartphone, comme tout le monde. Bon Dieu, quoi. C'est pas là d'où je viens, ça? Bah là aussi. Damned. Bon, les animations sont pas trop dégueu encore. Hein. Ça semble naturel. Enfin, si tant est que... puisse considérer que ça c'est naturel. Bon. Je... alors des crochets. Ah bah ça peut être intéressant ça. Des pétards, ouais, ça j'en ai plus besoin. Ça servira peut-être à quelqu'un d'autre. Bon ça m'arrange pas, hein. Je pensais trouver peut-être quelque chose d'intéressant. Viens avec moi, écoute-moi. D'accord. So long. Hey. See you around. Et toi, t'es. Bon. Aimait les brocantes, c'est bien parce qu'il aimait. Ah, t'aimes pas les brocantes post-apo, mec? C'est génial! On trouve de tout! Il suffit que t'ailles dans le jardin, et boum! Est-ce que je peux avoir une map, s'il vous plaît? Quelque chose pour me repérer, là, parce que c'est galère, un peu. Je suis pas très bon en repérage géographique, moi. Si j'ai pas mon GPS... peut-être les crochets que j'ai récupérés vont me permettre de crocheter la voiture. Après tout. Ça me semble... oui, merci, c'est locked, mais... D'accord, ok. Il faut donc des clés de voiture pour ouvrir la voiture. Oui, après tout... Bon, où est-ce que... Puis évidemment, ça se met pas sur la minimap ou dans l'interface, hein, pour savoir où est-ce qu'il faut aller. Ah si, là-bas. Tout le monde fait du camping ici. En même temps, hein. Je suis pas trop camping. Hein, C'est quoi? Wild dog. Ouais. Ok. Trois objets à récupérer ici. Alors tantôt ça se veut hardcore, tantôt ah mais on vous dit quand même qu'est-ce qu'on peut y trouver. C'est attends sérieusement, c'est une télé. Nom de Dieu. Ok, donc j'en ai récupéré un. Le problème c'est qu'il y a tellement un espèce de vieux bloom à l'écran. Enfin non, c'est pas du bloom, c'est... je sais pas comment dire. C'est vraiment étrange. Pour identifier... identifier les éléments du décor, c'est vraiment... Il y a encore trois objets. En fait, il y a trois objets partout, quoi. Ah, et ça c'est quoi ça? Fusée éclairante, ok. Et... ok, je crois que je viens de comprendre en fait.
peux pas les mettre. Non. Bon. Okay. Je trouve des sacs à dos de plus en plus sympatoches. Ne reste rien, ok. Non mais en fait le fait qu'il écrit 3 points d'interrogation, ça veut pas dire qu'il y a 3 objets, c'est juste un. C'est juste une indication. Oui, désolé pour le saut, c'est à cause de Titanfall, vu que quand on a un titan, on dash avec un singe, et j'ai pris l'habitude de dasher. Ce qui est complètement con, hein, effectivement. Mais, il ne reste rien. Bah, oui, bah, je viens d'arriver. T'as le mec d'un seul coup d'œil, il voit ça, quoi. Fort ce mec. Mais je suis sûr qu'il y a un truc dans les chiottes, hein, c'est pas normal. Il y a un camping-car, il y a rien dans le camping-car. On va tout à cramer. Il y a forcément quelque chose dans ces putains de chiottes, quoi, nom de Dieu. Non mais vous déconnez. Tout le monde veut aller aux chiottes ici ou pas? Qu'est-ce que j'ai? Ah, un cricket! Attendez, crochet ou cricket? Oui, non, si, ok, oui. Non, tout à l'heure j'ai récupéré des crochets et là c'est. Dans les tentes j'ai récupéré un truc de croquette. Okay. Cricket, croquette, on sait pas. Avancer en direction des coups de feu. C'est nouveau ça, hein, ça n'était pas tout à l'heure. Incoming. Incoming quoi? Non, j'en dis kilomètres. Ouais, alors. Ah d'accord, et je me pétais une jambe. C'était donc bien ça. T'as un fusil, toi. Où tu me plais. Holy shit, are you okay? You mean aside from being lost in the woods, attacked by psychopaths, and watching two of my best friends die? Yeah, I'm Peachy. Sorry I asked. So, is it this bad everywhere? Ooh. Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on. But ouais, en fait, c'est quand ça veut, quoi. Well then. Bah, pas l'air trop mal là, madame. Tu veux prendre la tête ou c'est de quoi? Pour voir les opportunités de mission. D'accord, alors c'est virgule, pas M. Hein, alors, allez savoir pourquoi. Je sais pas. Razor wire and guard towers? That's not a bad idea, actually. We need to make things safer around here. Mission établir point de navigation. Pour établir aussi. Ça, ouais. Tu viens avec nous. Allez viens. Plus t'as un fusil, ça me plaît bien. Ça sera utile. Vous avez le droit de tirer dessus, hein, je. Non, non. Mais je vais pas manger une knacky qui raconte. Bon, hop.
C'est... Le rythme est un peu plus lent que... Un peu plus lent que ce à quoi je suis habitué. Mais... Bon, on meurt pas si vite que ça. Donc ça va, quand même. What the hell? I thought you said you had survivors pulled up again. They were fine just a minute ago. Well, obviously not anymore. Guys, guys, come on. You gotta at least check the place. Somebody might have survived. D'accord, donc en fait il y avait 2-3 mecs ici et bah... S'il vous plaît. Ah bah non. Oui oui je te jure c'est pour vérifier s'il a du pognon. Oula. Ah bah oui oui vite vite faites quelque chose. Bah ouais mec, s'il était mort t'aurais dû lui trancher la tête. Thomas est mort. Ok, donc on doit faire quoi madame? Oh, des munitions, il n'y en avait pas tout à l'heure. Bon, ça, on va déposer. Ça, je vais déposer. Voilà. That won't work. Attends, alors, on prend ça. Alors, fusil à pompe court, illégal. Ne pas essayer à la maison. Donc, ça utilise des balles de fusil de chasse. Autrement dit, ce que je n'ai pas. Là, ça, c'est du 22 long rifle. On va remettre ça dedans. Hein. Ça. On sait jamais. Hein. Des fois que j'ai à revenir ici. Que je peux sauvegarder, je ne sais pas. Bon, donc on va suivre la route, on va suivre la flèche. Faut toujours suivre les flèches. I don't know. I guess we just head to town and try to find somebody. On va essayer de voir la voiture, peut-être que la meuf elle sait. Jesus, Ed, why did you do that? I don't know. I figured if he had a radio, there must be somebody on the other end. So you robbed him. Do you expect his friends to help us out? Wait, who said they're his friends? Maybe they didn't even really like the guy. Dad? Dad, are you there? Oh. Hello? Can you hear me? Who is this? Listen, we're stuck up here on Mount Tanner. My friend needs medical attention. Can you help us? Can you make it down to Spencer's Mill? Some of us are holed up at the church. If your friend doesn't look too dicey, we'll let you in. The church in Spencer's Mill. We're on our way. We'll, try not to look too dicey. Je suis en train de me dire, si je dois aller dans une église, ça va à mon avis être un espèce de spot. Je vais peut-être récupérer le... Ah, je sais pas. Ouais non. On sait jamais, ça sera toujours un point de repli en cas de besoin. Ah. On va pas tenter. Hein? Bah non. Je pense que les lois de la physique.
elle était par là, je pense. Parce qu'il n'y a que dans les films qu'on voit des voitures voler sur plusieurs mètres. Hein. Dans la réalité, 2 tonnes, ça tombe à pic. Genre plouf. Tiens, regardez, cette voiture par exemple. Eh bien, clairement, elle est tombée à pic. Alors comment est-ce qu'elle est tombée? Pourquoi est-ce qu'elle est tombée? On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des gens dedans? Non. Une infirmière noire. Les mecs, ils ont toujours pas capté que c'était les zombies. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelques analgésiques, hein, parce que bon, je devrais les économiser peut-être. Mais... Non, c'est bon, plus ça remonte pas toute la vie, donc c'est bon. C'est sympa le fait que l'eau elle transporte. Peut-être qu'on pourrait grimper. Qu'est-ce que t'entends par... Ah oui, comme ça. Ah, oui. T'es un malin toi en fait. Hein. Il y a de fortes chances que tu y restes, hein, par contre. Hein, mais. You said you were holed up in a church? What the hell's happening around here? You haven't heard? No cell reception at all. Better deal with this first. No cell reception at the lake. Guess you could say we've been out of the loop. All we know is a bunch of crazy people tried to eat us. It started, what, 12, 13 days ago? At first it was just weird stories on the news. Random mauling, violent incidents at hospitals. Black helicopters in the sky? Just strange stuff. I guess they were trying to keep it quiet. That didn't last too long. People figured it out pretty quick. People who die, they don't stay dead. They come back as one of those things. I told you that guy was dead. Seems like the only way to stop them for good is with a shot to the head. Anything else, they just keep coming. So you're saying those things are zombies? I don't know. Maybe it's some kind of messed up supervirus. Maybe it's radiation from outer space. Or black magic. Or the wrath of almighty frickin' God. Your guess is as good as mine. So, wait a minute. What's the government response to all of this? Haven't they sent in the National Guard or something? The government? You don't get it. It's been total chaos. At first, they told us just to stay home. Lock our doors and wait for the all clear. Then the power died. Never sounded the all clear. Notez que j'ai réussi à ouvrir cette deuxième voiture sans trop de problèmes. Le mec était mort à côté avec les clés dessus, je sais pas. Bon, la conduite des voitures est un peu particulière. Hein. Oh, 20 images par seconde. Je vous le dis, la Titan, elle souffre là. Just lucky, I guess. It was pretty chaotic up at the lake. Oops, pardon, excusez-moi. Je vais avoir une amende. Dude, it's her dad. You want to confess that we killed her father and stole his radio before they patch you up? Yeah, okay, maybe we leave that part out. Ouais. Il y a forcément des ressources. My one swing wide. We got zombies to the left. I'm lucky they didn't hear that. Thank you.
up? J'aime bien les jeux post-apo comme ça. Genre faut aller faut fouiller des zones délabrées. Je suis un grand fan de Fallout, que ce soit les premiers ou le 3 et le New Vegas aussi m'ont beaucoup plu pour ces aspects-là particuliers. Ah bah j'ai plus rien, ah oui. Ok, est-ce que je peux pas... Est-ce que je peux pas partager des choses avec vous, s'il vous plaît? Vous n'avez pas... Vous avez des sacs à dos, s'il vous plaît. Vos sacs à dos. Ok, donc c'est blanc. Hein. Donc c'est quoi ces choses-là en fait là? Ça. Manger pour augmenter temporairement, d'accord. Break his fucking skull. Ah voilà, c'était donc ça. Eh ouais bonhomme, tu peux pas tester mes super pieds. Bon, la bonne nouvelle c'est que si je reviens, il y aura bouée. Qu'est-ce que c'est par là? Pas de point d'interrogation, c'est-à-dire ça nous donne un petit panorama. Bronto Gars. Non mais sérieusement. Sérieusement quoi. Allez. J'ai l'impression qu'il va faire nuit là. Dans les bagnoles de flics, y a pas. Finish it off. C'est une position intéressante. Ah bah les flics aussi. Non, j'ai toujours beaucoup aimé les voitures de police. Déjà parce qu'elles ont un pare-buffle. J'adore les pare-buffles. Et ensuite parce que. Oula, pardon, excusez-moi. Pardon. Ah, zut. Désolé, hein, je. Nouveau point d'inspection. Ouais. Ouais, si, il faut y aller quand même. Ah, pardon. Ah, zut alors. Attendez, je suis pas très bon en conduite, hein. Heureusement que le jour de mon permis, j'ai pas dû faire de créneau parce que. J'ai dû me garer en épi et je me suis repris à trois fois. Donc, alors, hop. J'y rentre comment dans cette... Pousse-toi voir Jean-Maurice, de toute façon tu vas crever, voilà. Ouais. Ok, alors je te propose un truc. Ils sont rentrés tous les deux là? Ah oui. Ah. Bah oui, non, mais c'était pour essayer.
Ah bah ils peuvent grimper au-dessus. Ah ouais. Moi je peux pas. Bah oui, non mais en même temps il fait ici. Tellement galère de voir quoi que ce soit dans la nuit, la journée est blanche. Mais blanche au sens extrême du terme, et la nuit est noire au sens... Bon, pour moi, c'est plutôt réaliste pour la nuit. Ding dong. J'ai perdu une porte. Name's Ed. Pleased to meet you. Come with me, sir. We'll see to those. God damn it! We got enough trouble without bringing in another freeloader to use up all our medicine. Real nice, Alan. I offered them shelter. I'm letting them in. Us freeloaders have to stick together. Girl's got the common sense God gave a tree stump. You're worth it, brother. Come on, I'll give you the nickel for it. Ah, t'es une gentille fille, au moins. Wow. Alors. I spend most of my time here, using the radio to coordinate everyone. Bah écoute. Ah, vous avez des munitions. Et ça, c'est un fusil à pompe qui utilise des balles de fusil de chasse. Ah ouais. Et vous n'avez pas de balles de fusil de chasse. Alors, et ça, c'est endort la douleur, mais est inefficace pour les blessures graves. Ce genre de trucs. De l'acétaminophène. Ok. Je vais vous déposer ça. L'ibuprofène. Ah, quand je mets des trucs dedans, ça augmente mon influence. Ouais, d'accord. Ok. Allez-y, prenez tout. Pipi, du coup, y a pas... Sam's our unofficial in-house chef, but, well, there's only so much anybody can do with canned soup and pork rinds. Seriously, though, rule number one, all the food stays in here and it stays sealed. Okay. You wouldn't believe how fast rats get into things otherwise. We learned that one the hard way. Les rats. Ah oui. Les rats, bien sûr. Les... Sleeping quarters? Ça dit... Hope you don't mind sharing. We're pretty tight on space here. Alan's been saying we should move to someplace bigger. But my dad's a carpenter, and he says we could build like a dorm room or something to get more space. How many people do you have here? I think you've met just about everybody, except maybe my brother and my dad. They're out scouting for supplies, I think. And haven't heard from them in a while. Somebody put a weed whack in my fucking neck. You may have something to do. Could be a sign of infection. We'll need to get Dr. Hansen. I'll see if I can get him on the radio. Thanks, I appreciate the hospitality. En même temps, tu le fais dormir dehors, mec. Entertain strangers. Or by so doing, some have unwittingly entertained angels. How about that? I might be an angel. Ouais. D'accord. En fait, t'es révérend, toi, hein, c'est ça? Un putain de cul béni. On est au States en même temps. Hein. Bon. Est-ce que je peux dormir? Suivre Lily. Accompagner Lily. Yeah. J'ai envie de te voir en plein jour, toi. Pastor Will's going to try and get Doc Hansen to come down and take a look at him, but if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, I promise Alan will take care of him. Merci. C'est tout convergent pour mon meilleur ami. Jesus, Lily, you
He's not a rabid dog. Don't you get it? More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Not anymore. We need medicine here anyway. You can't be sick. You understand? No one can be sick. That's it, huh? The fever is a bad sign, especially after a bite. Pastor Will's going to try and get Doc Hansen to come down and take a look at him, but if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, I promise Alan will take care of it. Merci. C'est tout convergent pour mon meilleur ami. Jesus, Lily, he's not a rabid dog. Don't you get it? More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Not anymore. We need medicine here anyway. You can't be sick. You understand? No one can be sick. Ouais. That's it, huh?